Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur le chantier. Aujourd'hui, Ivan Konstantinovich Lazarevitch est en visite, c'est le rédacteur en chef adjoint du journal de Zelenograd 41. Ivan Konstantinovich, bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous et vous avez déjà diffusé beaucoup d'informations sur le projet Sovelmash, mais pour autant que je me souvienne, votre dernière visite chez nous était à une époque où le cadre du bâtiment était encore en train de se former. Je pense qu'il n'y avait même pas encore de bâtiment BAT. Aujourd'hui, nous avons parcouru le périmètre de ce que nous avons réussi à construire. Que dites-vous? Quels commentaires avez-vous? Il n'y a rien à commenter. Tout est visible. Il est évident que dans un délai assez court, parce que la dernière fois que je suis venue ici, c'était l'été dernier, si je ne me trompe pas. Donc, en peu de temps, vous avez fait un travail énorme, gigantesque. Et si je comprends bien, d'ici la fin de l'année, le bâtiment sera presque terminé. Oui, selon le plan, c'est octobre 2022. Nous devons nous préparer à la réception par la commission d'État. Il convient de noter que ce n'est pas seulement la réception de la boîte du bâtiment, mais c'est déjà un bâtiment avec des communications d'ingénierie mises en service, avec des équipements technologiques, etc. Par conséquent, il reste encore beaucoup de travail, bien que l'ampleur de ce qui a été déjà fait est également considérable. Ivan Konstantinovich, il est intéressant de connaître votre appréciation de la vitesse et de la qualité de ce que vous voyez. Puisque je suppose que vous avez déjà visité d'autres sites en construction à Zelenograd. Si parler en comparaison? Bien sûr, à propos de la vitesse, je l'ai dit vraiment, c'est impressionnant. En ce qui concerne la qualité, j'ai été le plus heureux de voir que le projet est bien adapté pour placer ici la production la plus de pointe, la plus précise. Et en principe, ce projet peut être utilisé non seulement pour la production des moteurs électriques, mais même pour la base des composants modulaires électroniques, ce qui n'est pas le cas en Russie, sa propre base des composants électroniques. Et bien sûr, je suis très heureux que le projet soit universel et il peut être reproduit, utilisé pour d'autres productions. Nous parlons maintenant d'un projet de bâtiment, si je comprends bien. Oui. En passant, oui, en ce qui concerne la base des composants électroniques, ce problème est devenu très aigu non seulement dans la Fédération de Russie, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, même aux États-Unis, pour autant que je sache. Tant que la Chine est en avance, mais néanmoins, nous coopérons également avec l'Empire Céleste, notre représentation permanente y est ouverte. Des négociations sont en cours avec un certain nombre d'usines, donc en effet, ce que nous essayons maintenant de créer ensemble aura un impact sur le développement ultérieur. Nous l'espérons beaucoup. J'ai une autre question très importante. Que pensez-vous du projet si vous ne le regardez pas dans le cadre de l'idée initiale? Parce que si je me souviens bien, vous nous avez soutenus. Mais comment regardez-vous cela en fonction de ce que nous avons déjà réussi à réaliser, de ce que nous avons réussi à créer? C'est assez difficile pour moi de juger ici, mais néanmoins, je vois que Sovelmash ne reste pas immobile, qu'il maîtrise vraiment la technologie de pointe, et je pense que l'entreprise aura un grand avenir. Et si nous considérons la perspective du développement, pensez-vous que Sovelmash sera en mesure d'atteindre les objectifs fixés, sa pleine capacité de travail, et cela aura-t-il un impact sur l'économie de la Fédération de Russie en particulier? En ce qui concerne la première partie de la question, cela dépend entièrement de vous. Et en juger par votre persévérance, vous y arriverez. En ce qui concerne l'impact sur l'économie de la Fédération de Russie, bien sûr, il le sera. Car les tâches que Sovelmash résout ont un caractère vraiment mondial. Merci beaucoup pour ce commentaire agréable. Nous vous accueillerons à tout moment chez nous, à la fois sur le territoire du BTOI en construction et sur les places où nos capacités principales sont temporairement situées. Je vous remercie beaucoup. En conséquence, je suis toujours heureux d'être avec vous et je suis toujours très intéressé de couvrir vos activités. Merci beaucoup.